5e édition du Festival alimentaire qui vient d'être lancée, avec comme thème la comment relever le défi de la souveraineté alimentaire, va servir de cadre pour aborder des problématiques en rapport avec le développement rural et l'alimentation. Et à cet effet aussi, il y a des thèmes sur le renforcement de la compétitivité du lait local. Il y a aussi un thème sur la gestion durable des ressources halieutiques au Sénégal et aussi sur l'agroécologie, sur le rôle aussi des OP pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, mais aussi sur une meilleure sécurisation des ressources naturelles au Sénégal. Voilà les thèmes qui seront abordés au cours de cette 5e édition du Festival alimentaire, sans oublier aussi les activités de démonstration culinaire portées par le Collège des femmes du CNCR. Il y a la phase décentralisée qui s'organisera du 15 octobre au 30 novembre, à savoir Kaolack, Bignona, Ngaïmeche, Louga Saint-Louis, Rosbetio-Podor. Mais cette année aussi, en collaboration avec AgriSud, nous allons élargir dans la région de Fatick et aussi la région de Djourbel. Ce qui nous fera 9 régions pour cette année dans le cadre de la phase délocalisée du Festival alimentaire.